Nous sommes dans les Alpes-Maritimes, près de Roquefort-les-Pins. Tony et moi sommes venus accompagner Nico et Alex, qui sont venus faire une mise à jour topographique d'une grotte. C'est une grotte que nous avions déjà explorée, Tony et moi. Elle est réputée pour sa facilité d'accès et pour ses trois petites salles. Mais aujourd'hui, nous allons emprunter un passage méconnu, un passage difficile d'accès, menant à une quatrième salle, et le reste, nous allons le découvrir. Bon Fred, là où je suis, il y a une petite marche, ça tourne à droite. À droite, ok. Ouais, c'est pas faux. Oh putain, je vais pas passer là. Attends mon frère. Je fais demi-tour et je vais t'aider. Voilà. On va essayer. Je vais pas. Ah ouais, c'est violent comme hein. Le casque il est trop large, faut que tu le resserres derrière peut-être. Ah je vais avoir un... Ouais on le fait après. Bon je te laisse là, j'avance. Allez ok. Il y a un spot là, c'est normal. Ouais je l'attache au sac. Comme ça, si tu veux. Allez cool. Peut-être n'importe quoi. Ah ouais c'est... Anthony, ça va ? Okay. Normalement, tu devrais pas tarder à ressortir. Okay. Dans... Ouais, je pense, dans 3-4 mètres, t'es sorti. Okay. Je vais essayer de te tirer le sac avec le pied comme ça. Ah, cool, merci. C'est ça. Allez, Alex, il est derrière ou pas ? Non, il est encore à l'extérieur. Fais la topo. Après, si t'accroches, il y aura plein d'endroits où tu pourras venir. Ça y est, t'es sorti, Anthony ? Ok. Bon voilà. Dépucelage. Là, je suis rodé. Là, c'est beau, ici. C'était ça que la semaine dernière. Aujourd'hui c'est bon. Ça a fait les infiltrations, je pense. Ouais, bon. En même temps, c'est pas très épique. Hein. Michel, merci. Putain, je vois pas où j'avance là. Hein ? J'arrive pas à voir où j'avance. J'ai le casque qui me bloque. Ouais, c'est l'excuse. Ah non, il me tombe devant les yeux. Ah oui. Ouais, j'ai le casque qui me tombe devant les yeux, putain. On va le resserrer après.
Allez, je crois qu'il se resserre sur les côtés. Le casque qui m'a un peu grand, enfin, je l'ai pas réglé. J'aurais dû le faire avant. Ah oui, je comprends, on va voir. Oh merde, c'est détaché ton sac. Je fais demi-tour et je viens te le chercher comme il m'a fait en Suisse. Ok. Ça sent la poubelle. J'ai pas de rouge avance en fait. C'est pas grave. C'est le passage le plus étroit, c'est un tuyau. Allez, donne-moi ça. Merci. Ah, merci pour. Ah, je peux faire la tête. Voilà, tu peux faire le tour. Ah, si tu veux. J'ai vu la visière devant les yeux. Elle n'est pas bon. Et il est passé là. J'ai avancé. Ah, c'est mieux là. J'aurais dû le serrer avant en fait. Je vais pas percuter. Putain, il est des os là. Tu vois ce que je te disais, je pense que. Ah ouais. Ils ont dû trouver. On dirait des os de chèvre ça. Ils ont dû trouver une. D'ailleurs. Ah, c'est bien de se trouver ça un peu là. Wow. J'ai de l'air. Hop là! Ah, si je veux se servir de ses jambes de façon normale. Allez, père et fils. Oh, cool! Avec les dreadlocks au plafond. Ouais. Ton premier boyau, qu'est-ce que t'en penses? Mais je t'avoue qu'au milieu, ben c'est vraiment le premier comme ça. Au milieu, tu te demandes ce que tu fous là en fait. J'étais à me dire, putain, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi j'ai dit que je venais? Je dis merde, non, je ressors, je vais à un moment, c'est un petit moment de panique où je me disais, faut que je sorte. Normal. Et après, tu te dis merde, j'y suis. Je suis arrivé jusqu'à là, je vais au bout quoi. C'est normal. Il y a pire encore ou non, ça va là? Non, ça va. Ouais, c'est bon. C'est bien plus large là. Mais c'est marrant. Ah, c'est là-bas qu'on va? Ah, bon, en fait. Si tu savais. Ah ouais? Voilà. Ok, oh putain. Mais là, faut des obstrués. Et alors ça continue encore. Hein. Si tu veux aller vadrouiller avec ta machine, ah ouais, ouais, ça ouais. Continue là-bas dessous. Tu finis sur une fissure, il y a des puits. Peut-être qu'on rejoint le puits qui est là. Parce que quand tu lances un caillou, tu entends le caillou qui descend en travers. Là-bas, il y a des puits aussi. Peut-être qu'il y a une salle là-dessous. Tu t'y balises. Et non, tu peux pas te perdre. Je peux voir le son. De toute façon, là-bas, ça part. Il y a un caillou au milieu. Tu crois que tu peux passer à droite et à gauche, mais en fait, quand tu passes à gauche, tu arrives sur un petit puits. Ah, punaise, ouais. Qui arrive sur une petite salle. Il y a la place d'un lit. Un lit de place. Ah, putain. Allez, un lit de place avec les pieds du lit. Voilà, c'est haut comme ça et tu rentres un lit. Ah, oui. Ça va, toi? Ah, c'est bon. Ah, c'est continu quand même. Descends là-bas. Je vais resserrer mon casque, je vais en profiter pour serrer mon casque les amis. Tout à l'heure, j'étais pénalisé par une chose, c'est que je ne voyais pas où j'allais. J'ai le casque. Je fais mal au cou, j'ai une crise d'hernie dans le. Là, tu peux revenir faire seul comme tu veux. Non, c'est pas ici que je vais faire un topo, c'est le trou ou l'autre que je t'ai dit là-haut. Ah, ici aussi, c'est bien de le faire. Si tu veux, mais pour moi. Oui. C'est pas grave. Intéressant. Ah, c'est plus. C'est pas. C'est différent. Putain, c'est vrai que sortir là-dedans, ça va être marrant là. Oui. Bah, tu le sais en plus. Hein. Ben, je. T'as eu un bon souvenir, c'est pour ça que tu vas pas descendre. Hein, foiré. Ça dépend de la taille des gens. J'ai grossi, tu vois. Regarde. Mais moi aussi, j'ai grossi. Regarde. Ah, ça va être marrant ça. Je passe pas. Je te jure, je passe pas. Je te jure, je passe pas. Plus loin. Non. Même pas. Non, ça sort.
Putain, le régime fond du Savoyard, c'est pas une bonne chose. Ouais, oui. Attends, je me mets un peu plus loin. Plus loin, mais... Un peu plus loin. Vous voyez où? Mais je passe pas non plus. Non, je passe pas. Putain. Non. Et à l'inverse, ça non plus. Putain, je suis frustré. Je me suis coincé une burne. Aïe! Putain, mais le trou au... trou aux abeilles, là, le trou au cactus, il était plus étroit que ça, non? Oui. C'est dingue. Mais au moins, il est sain. Oh là, vous êtes là, les enfants. Je ne veux pas mesurer là, le puits. À ce moment précis, gros coup de stress. Nico ! En effet, ça fait un petit moment qu'on n'a pas entendu Nico. Nico ! Oui ! Oui ! Parle ! Mais après 5 longues minutes, une voix surgit enfin de la galerie. Alex est donc parti à sa rencontre. Sors-moi la tête. Hein. Juste tu me dis si je le tape ou pas. Ouais. Tiens-moi ça. Oui. Oui, l'autre appui. Donc du coup, Nico et son ami là sont descendus. Bon, ils ont trouvé. Enfin, Nico a trouvé un passage. Et du moins, son ami est parti en renfort pour l'épauler. Donc il y a une brèche. Donc là, enfin, il est passé par ici et du coup, il a trouvé une brèche de l'autre côté. Et il va essayer de boucler, il va essayer de ressortir du moins par cette brèche qui est au fond là-bas. Donc nous on l'attend, puisque bon nous, là pour l'instant on est juste amateurs, c'est pas encore notre dada. Et vu que c'est apparemment inexplicable, enfin, il y aurait peut-être une ou deux personnes qui seraient passées auparavant, des amis à Nico, comme il y a très très longtemps quoi. Et du coup bon, il est descendu pour faire la topo. Donc il était plus sage, enfin du moins plus prudent pour nous de rester ici. Chou. Il faut pas être épais là. Ça, c'est... tout le long. Hein. Ouais. Okay. Tout le long, faut pas être très large. Le passage en dessous, avec le bodard, je passais pas. Au pied. Mais après, pff,
Après, c'est grand. Enfin, c'est grand. C'est comme ici, quoi. Ouais. Et derrière, il y a une espèce de fissure. Une grande fissure. Tu changes de roche. Oh, c'est serré là. J'ai hâte de revoir la lumière du soleil, les amis. Là c'est serré. Là, j'ai mon sac qui bloque là. Je vais pas le monter. Attends, je monte. Je le pousse. Je vais être tranquille. Je n'avais pas le tirer, j'ai mis la ficelle, mais. Ah, c'est bon. Merde. Ouais. Ok. Ok, merci. Oh, je vais un peu mieux. Ah, je suis... C'est plus sportif vers le retour en fait. Hein. Ah oui, ça monte. J'ai pas pensé à ça. Allez. Ouf. On peut se redresser un peu, je vais en profiter. Ton père, il commence à passer aux aveux. Il me dit qu'il a le bout qui glisse. Je sais pas où il va m'amener après. C'est secret. Aïe, 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 aïe. Ça va être au millimètre, là. Je crois que je suis en train de perdre ton sac. Je vais essayer de retourner. Ça y est, j'ai perdu ton sac. Prends-le, Tony, il est content qu'il y ait que la voiture. Hein. Tu rentres à pied après. Hein. Allez, qu'est-ce qui se passe là-bas? Oh putain! Je fais demi-tour et je t'aide à passer la marche parce que c'est la merde. On voit le kit. Voilà, avec le kit bien rempli. Ouais. Il est où le bout? Vous arrivez à tout stocker là-bas? Ouais, c'est bon. Alors reste ici, c'est bien. Hop, merci, cool. Je le fais passer devant ce bassin. Passe la machine dure avec le sac ce soir. Allez les kits. Je crois que c'est le dernier, il y a encore des sacs après. Non, non, c'est dernier. La ficelle. Attends, moi il n'y a pas de sac. Hop, je peux se arriver à l'attraper. Ah nickel, merci, cool. Allez, les derniers numéros. Petit étranglement. Bon boyou du sac, je sais pas le casque. Si on a un souci, avec un casque. Mais là bon, c'est hyper lisse hein, et puis je suis ras du sol donc. Allez.
Un petit virage, là, ça va être chaud. On va le gérer. Ah ouais, c'est petit 90 degrés en plus. Ah ouais. Ah, je sens l'air frais. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Petite bise fraîche. Non, non, tu cours en air frais là. Heureusement que personne n'a mangé du cassoulet ou des pois chiches avant de venir. Ah là ouais, ah, c'est le bonheur là ouais. Oh punaise, je vois le sorti. Oh, oh le... les amis là, c'est une... je sais pas comment l'expliquer. C'est une jouissance émotionnelle. Un genre d'orgasme des cavernes. Ah oui. Ah ouais, là je jouis devant la sortie là. Je vais passer. C'est pas énorme pour certains, pour moi c'est beaucoup. 3h30, 4h. Ah ça sent bon en plus. Quand je fais avec Sylvain, un pote, j'ai plus grand temps. Bon ben voilà. Premier boyau. Premier boyau. C'est check. Ouf. 10 plus 10. C'est ça. 10. Sans Alex. Ouais. C'est ça qui m'a guidé vers la sortie en fait. Je sais pas ce que tu mets comme parfum Alex, mais... Oh. Attention ta tête. C'est quoi ça? C'est ta tête? Ah non, c'est le mur. Ah oui. Ah oui, c'est 90 là. Je t'ai mis le pied dans la tête? Hein? Je t'ai touché? Non, non, c'est moi, je suis bloqué avec les pieds. Ah, toi aussi? Ouais. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Et va faire un petit tour sur la chaîne de Nico, ça lui fera plaisir. Je laisse un lien dans la description. Et nous, on se dit à très bientôt les amis. Tchou tchou.